Olivier Sanche, responsable mécénat, collectivité et acteur public pour la plateforme de financement participatif KissKissBankBank. Et aujourd'hui, nous avons parlé de financement participatif pour les acteurs publics, de mécénat participatif littéralement et plus précisément de financement participatif appliqué à la transition écologique, avec l'intérêt évidemment de lier les citoyens à des collectes de fonds. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du financement participatif? C'est un moyen de financement pour les acteurs publics qui s'est très fortement répandu depuis ces dernières années et qui permet littéralement d'obtenir un financement complémentaire à côté des financements classiques, bancaires, subventions, etc. Un financement qui notamment est un financement communicant et impliquant. On n'a pas affaire à de simples et classiques banquiers, on a affaire aux citoyens, à des particuliers qui ont envie de s'investir dans un projet dans tous les sens du terme. Un exemple concret, vous avez actuellement une campagne de financement participatif lancée à la mi-juin sur KissKissBankBank par la commune de Barbantane. Barbantane qui est une commune qui a été dévastée par les incendies lors de l'été 2022 et qui est aujourd'hui dans une grande opération de renaturation innovante et expérimentale sur la Montagnette en l'occurrence. Et donc cette opération est lancée très officiellement avec le public, avec les particuliers, avec tous les gens qui souhaitent s'investir sur le projet.